Che Guevara. Yon nom plus yon photo. Photo ça. Il fait partie de photo qui plus célèbre dans le monde là. Montre yon ti moun 15 l'année. Photo ça, mandel ki moun yel abdouse Che Guevara. Mais qui citoyen ça? Che ça. Et bien, je dis à la, sous demande nous, nous allons plonger dans la vie Che Guevara. Qui j'ai communauté bis là? C'est Will qui tout ça qui a présenté nous. Qui citoyen ça? Premier ça pour nous connaître, Che Guevara, patron cubain. Même si nous, ouais, yon associé un pile à Cuba. Mais, il était yon argentin. Ah ouais. C'est dans le pays l'Argentine, dans la ville ça, qui est le Rosario, en 1928, Che Guevara t'a pas prendre naissance. Et non, il était gagné, il a été fait là, c'était Ernesto Guevara. Pour Che, à côté le jeune, ni fait bien, n'a pas vini. Faut que me dis nous, Che fait dans une famille qui dégaine 5 petits. L'idée premier, c'est Ernesto Guevara Lynch, avec Celia de la Serna, qui te mettait ensemble pour mettre Che Guevara sous terre. Mr. Lynch, il était un ingénieur et puis architecte. Depuis Che fait, il était une maladie. Il était asthmatique. Maladie ça, qui pourrait le faire par un lion, pour le quitter côté où t'as vu là, pour aller installer une Alta Gracia. Si là, tout, Che pourrait le rentrer dans l'école primaire. Avec Belti la joué à 8 l'année. Parce que, problème maladie à Tifel, monsieur, pas qu'à l'école vraiment. Pour l'école secondaire, qu'on y a là, tu es obligé de traverser dans le Cordoba. C'est là tout le bras fini, dans le collège national de Cordoba. Et c'est depuis là, dans le collège, ça, tu es obligé parler avec tes camarades, Lio, l'abdio, rêve, Lio, un jour, c'est pour lui, la voyager dans toute Amérique latine, dans la bataille pour plus bonnes conditions, vie sociale pour Mounio. C'est rêve Timoun. Faut que me dise nous, Che qui fait avec asthme depuis petit, ça devine rendre li pas trop en santé. Ça qu'il le fait, il va obliger la école dans sport, il va pratiquer rugby dans premier moment. Après il va la école dans cyclisme. C'est en 1946 Che Guevara va faire études secondaires. Dans moment ça, il peut commencer université non. Il de tout le travail dans un laboratoire qui a un rapport à construction autoroute dans ville Cordoba. C'est là il va le faire un an. En 1947, compagnie papa te gagner fait faillite et c'est la famille elle décide de quitter Cordoba pour aller dans Buenos Aires, capitale Argentine. En 1948, Cunha libéral rentré dans l'université, université de Buenos Aires, côté libéral étudier la médecine. Mais pas oublier, me dit nous depuis petit, Che Guevara a un soif voyager. Et bien ça tout pour aller faire étude d'apprenti cours, côté libéral camper par moment. En 1950, Che Guevara pour aller commencer voyage li en local. Il prend une bicyclette carrément, il mettait un moteur sous lui et puis il sortit dans la capitale Argentine et puis il allait dans Cordoba. Il rentre en mille San Francisco del Chanar visite. Ça m'a dit nous là, c'est une distance sorti Wana mais Algérie oui. Là, tu peux commencer pour un gros voyage là. En 1951, Kounia, il pral quitter l'Argentine. Ça qui passé? Il pral jouer un travail sur un bateau qui compte porter pétrole. Il va travailler sur bateau comme ambulancier. Et c'est là, 9 février 1951, il pral quitter l'Argentine avec bateau ça. Il pral passer dans Colombie, Trinidad, Curaçao, Guyana, Venezuela et puis Brésil. Il passé faire connaissance avec pays ça. En 1955, Kounia pral faire bon voyage là. Ça qui arrivé? Il pral prendre une moto. Et puis il va passer plus passer 9 mois à courir dans toute Amérique latine. Pour faire ça, il va reler 11 ans Alberto Granados. Il va mettre mission ensemble avec lui là et puis pour gagner quoi dans toute Amérique latine. Objectif voyage, c'est de pouvoir marcher dans toute Amérique latine pour garder conditions mounio à vivre et puis apprendre de culture mounio et tout ça. Che Guevara avec Granados sorti Argentine puis la au Chili et dans Chili, moto va tomber en panne et c'est là il va tomber faire route là dans camper machine mandé ou libre. Et qu'il arrive dans Santiago de Chili, deux messieurs pour être capable de manger au lagé ou dans faire petit job. Après ça, après le lagé ou dans le Pérou pour aller visiter Trace, monsieur, dame, et Kayo. Et pendant que tu as fait tout voyage ça, sous route, li ouais, misé cap taille banda, ça te frappé en pile. Et il est arrivé Pérou, il y a jeune de monde qui frappé avec l'EP. Ganados qui te gagne expérience dans le travail avec jeune de monde ça, il y a été là pour aider mounio. Che Guevara pour aller passer un bon petit temps à traiter moun sa yo. Après ça, il pour aller quitter Pérou pour rentrer dans Colombie. Let's arrive dans Colombie, il va même prendre job entraîneur en équipe football, équipe ça qui va le même champion dans le championnat régional. Après ça, monsieur pral rentrer dans la capitale Colombie. C'est là la police pour arrêter monsieur là, qui a pris des marchés, pas de personne dans poche. Et c'est le groupe étudiant qui pourra le collecter pour bailler l'argent pour le faire rentrer dans Venezuela. Et c'est là dans Venezuela, Ganados pour décider de rester. Et tu même, il va dire, la font tourner en Argentine pour qu'elle continue l'étude là, pour qu'elle finisse l'étude là. Effectivement, tu es tourné en Argentine. Il est inscrit dans l'école militaire pour faire service militaire qui était obligatoire, mais maladie a été fait pas de continuer. Et là, il va l'obliger à focus sur l'étude médecine. 11 avril 1953, à 25 l'année, Che Guevara prend diplôme médecine. Bon, il y a un pile débat après ce diplôme-là, à cause de tout le temps qu'il a fait à voyager. Il m'a dit, est-ce qu'il te prend un coup
ouvrir. Après que va finir un diplôme ni dans mail, li pral rentrer dans une clinique côté il va travailler comme assistant docteur Salvador Pisani. Pendant le temps il fait dans clinique là, il était plus à expliquer expérience li te gagne dans plusieurs pays, li voyager, qui j'ai rencontré de monde qui cap vivre dans conditions difficiles. Et là tu pral commencer à afficher un comportement anti-impérialiste, surtout impérialisme américain. À là Che Guevara pral veut jouer sous gros terrain. D'ailleurs en 1945, il était fait une action même famille était peur pour lui, côté il était opposé à déclaration de guerre Argentine était fait Allemagne dans souci pour supporter américain. Faut que moi dis nous dans pays Che Guevara fait là, il grandit là, il y a un philosophe qui gagne en pile influence sur bloc pays ça en Amérique du Sud là. C'est Karl Kraus, philosophie Kraus basé sur question humanisme, côté gain de valeur important pour l'homme, il opposé sous responsabilité envers l'autre monde. Che était toujours tête il en sens ça au monde cap aider monde, mais non yon moun kap piye moun. Kounya ki Jean Che Guevara pral rentre nan lutte politique la. Parle de di nou apre an pil voyage li fè, li wè Jean moun ap soufri, li te vin comprendre domination États-Unis gen sou tout pays sa yo. Et c'est à partir de là tout pral commencer kampe ferme sou ki sa l vle, sou ki Jean l vle dirige lutte li a. Che retourne en Argentine, li fini medsini et puis li al travay. Mais c'est un petit bout de temps le faire à travail, après ça il reprendre mission pour aller continuer à connaître pays, à comprendre pays encore pour aller voyager en Amérique latine. C'est comme ça il va aller dans Bolivie, dans Pérou, Équateur, Panama, Costa Rica, Honduras, Salvador, yon pile pays. Dans tout pays ça où nous elle passer là, il va le faire opposer sous Guatemala. Ça qui passé? Dans Guatemala, te gagné un anti-impérialiste qui c'est Jacobo Arbenz. Président ça a te metté sous pied de programme à caractère social mauvais mauvais côté l'état distribué terre par paysan, il a augmenté salaire moun et l'autre bossa compagnie qui te gagné plus terre dans mais c'était une compagnie américaine qui c'est United Food Company. Arbenz pour le prendre ça dans mes compagnies et là tu pour le content, il va dire mes dirigeants qui gagne caractère. Là, tu pour le sentir confortable bon côté et Jacobo, il va passer une année là la prend bon dose pour Kevin révolutionnaire livléier qui impliqué dans deux mouvements avec Jacobo et c'est là tout il va rencontrer Hilda Acosta, une économiste péruvienne pour madame ni après. Donc là Che posé dans Guatemala l'a bien frappé et c'est là tout dans Guatemala il va prendre nom Chea. Femme dit nous mot Chea c'est une expression en espagnol et argentin qui veut dire tant qu'on va parler ou va dire tel bail tel bail il veut les expression ça le remplissage même Jean moun qui qu'on a dit so bot et gain tout monde qu'on a dit am c'est même genre de expression ça. Eh bien Che Guevara te qu'on utiliser Chea en pile la parler et là Guatemala qui ouais ça il va tout décider les monsieur Che. Donc c'est là non Chea sorti Che Guevara. Faut que moi dis nous tout pendant tout moment ça m'a parlé nous là. Che potko nan mayen zam. Mais pendant l'Équateur, il y a un événement qui va le passer. En 1954, les États-Unis pral lancer une bataille à Guatemala. Un Guatemala a un dirigeant socialiste, deux Guatemala touché compagnie américaine et là États-Unis pral lancer campagne pour renverser Jacobo. Pour mes amis, ils vont utiliser ces CIA. Côté pral lancer une opération qui est le PIB success. C'est marché là qui traite dans l'arrière sous dos Jacobo. Ensuite, ils pral utiliser un groupe Guatemaltec même qui était anti Jacobo pour lancer campagne pour renverser président. Effectivement, ils ont jeté président et puis un groupe rebelle c'est à étape supporté pour le mettre un jeune militaire. C'est là que tu es pour indigné pour ça passer après un président élu parce qu'il prend des positions qui pas dans l'intérêt américain. Il choisit j'étais président, tu es fâché et là il prend les armes, il a rejoint un groupe qui était formé pour combattre les militaires là pour Jacobo te tourner venir prendre pouvoir. Malheureusement, bataille a été mal passé. Tu es pour courir allemand de protection dans le consulat argentin dans Guatemala et puis après il prend la école Mexique. C'était première bataille armée que tu as mené et c'est là tout, il t'a pour États-Unis mettait en puissance qui voulait détruire l'autre pays et il dit c'est un examen pour le combattre tout. En 1954, Che Guevara arrivé dans Mexique. Après l'épisode Guatemala, il va travailler dans l'hôpital Timoun dans Mexico, il va travailler tout comme photographe. Et c'est là qu'il va rencontrer Nico Lopez, un Cubain Batista qui était président de Cuba et mettait en exil. C'est Lopez en 1955 qui pral fait Che Guevara faire connaissance avec Raúl Castro, qui c'est frère Fidel Castro. Raúl lui-même pral présenter Fidel à monsieur.
Raoul avec toute fidèle, il était guettant former mouvement pour être capable de renverser Batista dans Cuba. Il était en exil. Et Che Guevara, c'est genre de mouvement ça ou même l'a cherché. Depuis le temps des Américains, ils ont bataille contre Américains, rapide vite livré dans lutte là pour le gourmet contre Américains tout. Monsieur pour présenter Che Guevara mouvement, rapide vite Che Guevara va dit mettez nom s'il vous plaît. Monsieur pour membre mouvement 26 juillet, c'était non mouvement monsieur Castro, tu mettez sous pied pour renverser Batista dans Cuba. Donc nous là qui Jean Che Guevara pour aller rapport à Cuba et yon petit temps après monsieur Opral décidé retourner Cuba pour aller faire révolution et Che pour aller camper red nan doyo. Nous devons connaître Che Guevara patio militaire avec monsieur Castro, il pour aller participer dans l'entraînement pour le Tikavin bon et après Fidel Castro pour aller même nommer le commandant commandante Che, il pour aller en tête yon deuxième groupe dans l'armée révolutionnaire là. Faut que moi dis nous Che Guevara fait toute bataille honnête côté monsieur Castro qui pour aller jeter Batista en 1959. Yon jour après Batista a couru la guerre dominicaine, il quitte Cuba. Che Guevara, c'était le premier commandant qui était rentré dans la capitale Cuba. Il prend contrôle de la capitale là. Et puis Fidel Castro pour aller venir rejoindre 6 jours après. Là, Che Guevara fait preuve comme un gros révolutionnaire qui menait une révolution qui a abouti. Et après la révolution, en février 1959, le gouvernement Fidel Castro a proclamé Che Guevara citoyen cubain de naissance. C'est pas juste nationalité au ballon. Il dit monsieur ça c'est petit t'es cubalier pour tellement supporter bail t'es important dans révolution. Et après ça, Che Guevara va occuper poste dans le gouvernement Castro. Premièrement, il va le commander en prison de la Cabana. Il te mettre là pour te peser boule monsieur Batista yo, exécuter tout ça, on te considérer comme traître. Et premier rôle ça, tout qui va commencer sale image Che parce que famille qui nous te exécuté yo et pour trahison, te commencer à considérer Che comme un criminel. Et gain autobiographique Che tout qui fait qu'on est, yo pas joine un sous crédible qui montrait yo moun Che était condamné, c'était un innocent. Kounia Che fin mener une révolution qui réussit. Et révolution ça, c'était une révolution communiste, marxiste, anti-impérialiste. Et ça, Che voulait, c'est faire venir un modèle pour tout le monde. Là. Faut que les cimes grènent ça à tous côtés. Et bon, là, il va reprendre bâton révolutionnel. 12 juin 1959, Che va le mettre col dehors. Il va le passer dans Maroc, dans Soudan, dans Birmanie, dans Thaïlande, Indonésie, Japon, Yougoslavie, Grèce. Ah! Tout côté la voyager. Après ça, elle peut aller tourner Cuba encore. Et c'est là, elle peut aller venir poste ministre finance et ministre industrie. Et puis, elle peut aller président banque nationale dans Cuba. Pendant que j'étais ministre dans Cuba, il était participé dans la réforme agraire. Il était même déclaré année 1961, c'est année de l'éducation. Il mobilisait plus de 100 000 moun pour aller faire campagne alphabétisation dans toute campagne. Il travaille pour mettre usine sous pied, mettre banque, renforcer système santé pays. Cuba, pas de guerre là. À États-Unis ou bien à tout l'autre gros pays occidental. Donc, on était obligé d'ouvrir sous pays et état marxiste. Côté de commencer à le bail visite dans la Corée du Nord, dans Hongrie, Allemagne de l'Est. Mais malgré tout effort ça a été fait, résultat n'a pas jamais vraiment tombé. Une raison pour avancer, il faut comprendre dans le premier moment, il était très difficile pour appliquer système communiste là sous cubain. Tandem, Che qui a pris un gros bout de révolutionnaire en 1964 dans les Nations Unies dans New York, côté représentant Cuba. Dans le discours, il n'a pas négligé critiquer États-Unis, dénoncer l'action à poser dans le monde là, dans l'autre pays, critiquer États-Unis pour le traitement noir subi. Et c'est là tout le monde qui a assassiné deux fois. Youn pendant la palais dans le siège ONU, et y a un certain Guillermo Novo pour lancer une roquette sous siège ONU. Après l'assemblée ONU en 1964, il a lancé le nom de l'autre groupe visitant encore fois ça, il a la Chine, Égypte, Algérie, Ghana, Guinée, Mali, Bénin, ah non, pile l'autre pays encore. Et après visite ça, tout le monde pral rete, yo pas attendé Che Guevara encore. Il rentre tête, il la net. Et puis, il y a un petit désaccord tout à Castro. Et c'est là qu'on va arriver 3 octobre 1965. Castro pral mette dehors, une lettre d'adieu Che Guevara te écrit la dan. Il pral réaffirmer solidarité avec la révolution Cuba. Mais, il dit, la renoncer à toute poste qui était occupé dans Cuba. Et puis, renoncer à nationalité Cuba te balia. Et puis, il dit, c'est temps pour lui pour aller dans l'autre combat, l'autre côté. Dans l'autre partie du monde, il y a besoin qu'on coule. Après ça, Che pour quitter Cuba, il va la guerre direct en Afrique, dans le pays Congo. Dans l'époque, ça, dans le Congo, il y a une grosse lutte, une guerre civile, et c'est là que je vois Che Guevara qui pourrait soutenir le groupe anticapitaliste. Selon Che Guevara, si vous avez envie de mettre fin à l'impérialisme, vous devez avoir attention soutenir sur l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un maillon qui faible côté puissance impérialiste, gagne pas, puis bien. Il y a un peu de monde qui est très peuple. Et
pour Che Guevara qui était considéré choix pour aller bataille en Afrique là li imprudent. Mais Che Guevara gen mission c'est combattre groupe puissant ça au tout côté. Che Guevara qui vivait en Afrique dans Congo, li pa parler swahili. Yon nan langue yo parler en pile l'autre bossa. Et bien il va chercher mettre dans dol Freddy Langa pour le capable traduire pour lui pour capable comprendre tactique monsieur pour capable comprendre toute sa mission besoin fait. Et faut me dire nous bataille ça le pas une réussite parce que américain était gain contrôle li yo te mettre CIA sous toute ligne yo y avait communication bloqué manger bloqué de l'eau même munitions donc Che Guevara pas livré faut me dire nous dans livre et Congo diary écrit li fait qu'on est c'est incompétence qui t'a taillé bandana dans mitan congolais avec division qui dans mitan qui te fait pas abouti à guerre ça après Che Guevara pas même déclaré nous pas calibrer pour contre nous un pays qui avle goumé. Alors cela en novembre 1965, li pral obligé quitter Congo parce que l'ouest c'est blague monsieur a blague. Li quitter Congo, li pa vle tourner Cuba, li pral lagé kol nan Tanzanie côté li pral passer 6 mois nan caché nan ambassade Cuba. Pendant l'autre bois, li pral faire plan li pour lagé kol nan Bolivie. Mais avant li aller Bolivia, li te font passer Cuba en cachette côté le taloué madame ni avec toute Fidel Castro et c'est là tout li pral quitter yon lettre nan madame nan pour li li pour petite li après l'en mol. Après ça, li pral lagé nan Bolivie. Et c'est dans Bolivie à tout, Libral mouri. C'est en novembre 1966, li rive dans capitale Bolivie. Li coupé babli, li rasé cheveux pour yo pas reconnaître li, li même prend un faux nom, Adolfo Mena Gonzalez et li rive dans capitale Bolivie après 3 jours, li pral prend tête mon pour li pour al former l'armée rébellion. Raison qui fait c'est Bolivie il était allé, il était considéré Bolivie en tant que centre Amérique latine. Il dit s'il déclenche mouvement là, la plus facile pour lui répondre dans toute Amérique là. Il y allait dans montagne dans Bolivie là, il mettait groupe li camper. Mais il pas de grand pile moun ensemble avec lui. Dans moun qui était bon côté lui, il était joindre cubain, bolivien et péruvien, argentin. En mars 1967, il commençait affrontement. Et l'armée bolivienne a tout pour le mettre plein dans main. Il pour le tuer plusieurs dans soldats chez eux, il pour l'arrêter plusieurs. Tu es pas de trop soldats dans main que ça. Et l'armée bolivienne a te gain Amérique qui a supporté qui te mettre service renseignement disponible pour eux et il te gain contrôle chez. Dans le commencement octobre 1967, avec seulement 16 soldats, tu es tombé face à face à 200 Rangers. Tu es allé avec l'armée américaine, tu es même entraîné groupe ça. Et groupe ça, tu es dans tête, le sergent Bernardio. Là, tu es tombé devant Bernardio, il n'a pas fait lâche, il mettait 4 touches pour tout, c'est gros affrontement. Et c'est là où il va venir balle, une balle dans la jambe. Avec tout ça, il a tiré avec messieurs. C'est jusqu'à ce que la balle va finir et c'est là qu'il va l'abandonner. C'est dans la ravine Churo, sergent Bernardio, pour rencontrer la monsieur, pour pousser un coup de fusil derrière tête. Oh, il est tombé et c'est là où il a arrêté l'aller ensemble avec lui dans Vade Grande. Après, au final, arrêté, si il a mettre avion à disposition pour capable mener le Panama pour le questionner. Et c'est là, président bolivien, Barrientos, pour le bail l'autre pour tout yéché, mais agent CIA Félix Rodriguez te joint l'autre pour le kembe tché vivant. Et dans le moment, ça là, c'est Titato qui a joué sous tête Che Guevara. Il y a un soldat qui tellement entendu parler de Che, qui même posé la question, est-ce que vous immortel vrai? Che répond, n'y pas immortel non, mais c'est révolution ma fait qui immortel. Quelques minutes après, parle un sergent Terran qui pral mande tout monsieur qui était dans salle là côté Che Guevara pour sortir et puis lui même il était pour lui avec Che. Che garde monsieur, il dit me connons vinn là pour capable touyer, il pote les armes li sous Che et puis Che garde monsieur, il touffe li caché dans visage, il dit ti lâche on met tirer déjà on tire un seul moun et là Terran pral plek plek plek, il tire monsieur dans pied dans poitrine dans cou mais avec tout ça Che pas mourir. Ça fait dans 8 octobre 1967, c'est dans 9 octobre 1967 finalement il pral mette fin dans la vie Che Guevara et puis il pral disparaître quoi. Et c'est en 1955 sous gouvernement Gonzalo Sanchez, il va chercher Rescoche et il pral joindre lui dans Vale Grande et puis il pral voyer Rescoche à Cuba pour faire funérailles pour lui. Donc c'est comme ça Che Guevara mouri. Donc yo wè échec Che Guevara dans Bolivie li li avec un pile bagay. Premièrement, Bolivie te gen un gouvernement démocratique qui te gen bon soutien américain. Deuxièmement, Che pat gen un pile soldat avèl, Che te manke provision dans montagne là côté t'a préparé bataille là. Donc yo wè un pile cause qui vinn ran, li pat capable camper en face et monsieur. Pour vie privée, Che Guevara marié deux fois. Il te marié une première fois avec Hilda, économiste péruvienne là. Yo te marié
remarié en 1955, yo divorcé en 1959. Après ça, Tchete après le remarié encore avec Aleida Match en 1959. Tchete gagne 5 petites en tout, gagne Hilda Beatrice et Aleida Match, Camilo, Celia et puis Ernesto Guevara Match. Selon écrivain Castañeda, Ernesto Che Guevara te gagne l'autre petit garçon, il te fait en deux mariage avec Lydia Rosa Lopez, il te relé Omar Perez, mais il pas vraiment prêt. De connait en pile gros personnalité dans monde là fait éloge Che Guevara. C'est ça que fait non rete jusqu'à jodi a visage sous toute maillot dans toute kebi. Nelson Mandela te décrit Che Guevara comme une source inspiration pour tout monde qui voulait libre. Pour Jean-Paul Sartre, il dit Che Guevara c'est un gros bout intellectuel. C'est pour lui même c'est monde qui était plus complet dans époque ça. Che Guevara a un pile impact sous monde là surtout dans Amérique latine là par exemple. Dans les 90 dans question réforme néolibérale qui était échoué dans quelques pays, les ça et quelques dirigeants t'es même pral renforcer position yo pral reprendre en pile opinion politique chez yo ou t'es même jeune Evo Morales qui était président bolivien qui rend hommage plusieurs fois à Che Guevara, t'es même fait un portrait Che Guevara mettez dans suite présidentielle en 2006 président Venezuela Hugo Chavez dans un discours il paraît en grande pompe avec Mario Che Guevara sous lit. Dans Cuba, Che Guevara c'est un héros national boule tête il sous billet sous plusieurs bâtiments chargé l'école même en Argentine qui portait nom Che Guevara. Il y a plusieurs musées Che. En 2008, il y a une statue 3.5 mètres qui est plaquée dans Rosario en Argentine pour Che Guevara. Dans le pays Bolivie, il y a quelques côtés qui même prié Saint Ernesto. Dans le monde de aujourd'hui, l'image Che Guevara parmi images où je ne plus sous-produit et yo imprimé ou jeune sous maillot, sous képi, sous mouchoir, yo fait tatouage qui sous tout jeune et sous bouse ou jeune ou même jeune image Ernesto Che Guevara sous boxer, sous culotte, pas gen côté ou pas ouais image Che. Faut que moi dis nous gen quelques critiques tout sous personnage là. Gen plusieurs écrivains surtout dans opposition moun qui était opposé à l'idée lui qui présentait Che Guevara comme un gros criminel. Voilà en gros pour personnage Che Guevara. M'espère nous apprendre quelques petits détails sur personnage ça. Nous toujours après photo de tout côté. Si on t'a demandé nous connait qui est-ce qui derrière photo ça, moi pense n'a gen quelques détails nous capable bail sur Che Guevara. Alors cela m'espère nous terminer cette vidéo. Pas oublier partager et n'a prendre rendez-vous pour un autre qui histoire ça. Peace.